Yo YouTube, aujourd'hui on va réagir à une toute nouvelle vidéo, on va réagir au micro-trottoir de Winnie Sensei. Il a demandé aux gens si Kimetsu no Yaiba c'était surcoté ou non. Donc on va regarder, on va donner notre avis. On va insulter des gens aussi, j'espère, j'ai envie d'insulter des gens aujourd'hui, je sais pas pourquoi. La vidéo que vous allez voir, du coup elle est enregistrée sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, let's go. Joli cosplay de Nezuko. Merci. Est-ce que tu trouves que Kimetsu no Yaiba c'est une œuvre surcotée? Tu sais, c'est un truc qui revient souvent sur les réseaux sociaux, t'en penses quoi de ça? Alors c'est hyper surcoté, mais c'est mérité. D'accord. Hein? Attends, mais comment tu peux dire c'est surcoté, mais c'est vérité? Donc quand tu dis c'est surcoté, ça veut dire justement, ben, il mérite pas. Surcoté, c'est-à-dire que tu mérites pas. C'est-à-dire qu'on t'a placé trop haut. Surcoté, c'est surestimé, c'est surévalué. C'est-à-dire que on t'a placé plus haut que ce que tu l'es vraiment. Je vais pas dire c'est surcoté. C'est mérité, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire. Parce que le développement de l'histoire, personnellement j'ai lu le manga, donc pareil. voilà. J'adore les personnages sont hyper attachants, l'histoire est attachante, et puis Ouais. c'est une très belle histoire, donc ça mérite Ouais. je pense son succès. Joyeux anniversaire Ouais. déjà frérot. Merci, ça fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Comment vas-tu? Ça va, merci. T'as bien aimé le film? J'ai pas vu encore. Ah, désolé, Mais là, je vais désolé. voir 18 attentes. Ah, ok, d'accord, je viens de le voir. Est-ce que tu trouves Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Non, ce n'est pas surcoté. C'est un anime avec un fil conducteur assez logique. Il n'y a pas Merci. trop de surprises, mais il n'est pas Oui, surcoté. en effet, c'est vrai que Kimetsu, il n'y a pas de surprise. C'est vrai, c'est pas original. Hein. Les détracteurs, ils vont te dire, Kimetsu, c'est surcoté, c'est nul, parce que c'est pas original. Il n'a rien inventé. Oui, il n'a rien inventé. Hein. Mais c'est vrai, est-ce que tu n'inventes rien, que t'es nul? Original, ça veut pas dire que c'est bien. Original, c'est pas de la qualité. Si je te fais une pizza aux larves de mouche, c'est original. Après, si c'est bon, c'est vrai. Ouais, si c'est bon, je pense pas. Oh, une pizza 4 fromages, quand elle est bien faite. C'est pas original, d'accord, c'est pas la première fois que tu manges ça. Mais c'est bien fait, c'est bon, voilà. Donc original, c'est pas dire que c'est bien. Je trouve que l'anime il remplit les cases d'un shonen normal. Il est bien dans son écriture. Il Ouais. a même une animation spéciale ufotable, ils font le taf. Et même la manière dont le perso progresse et son univers progresse est cohérente avec le manga. Donc je trouve que c'est pas un anime surcoté. Et c'est normal qu'il ait la popularité qu'il a aujourd'hui. Et pourquoi tu penses que les gens disent que c'est Il a tout surcoté? dit, il Parce a que tout dit. malheureusement, c'est un nouveau-né qui a fait trop de bruit. Et j'ai l'impression que dans cette communauté manga, malheureusement, quand un anime fait trop de bruit et que les gens apprécient trop l'œuvre, ils doivent bien évidemment défendre les anciens. Donc après, qu'ils mettent une. Ouais, non, je vois ce qu'il veut dire. C'est parce que, genre, voilà, bon, il a dit défendre les anciens et tout. Mais il y a aussi des gens, ils voient que tout le monde kiffe un truc. Ils veulent faire genre, on est différent. Ils veulent faire genre, moi, je suis différent. Moi, je suis pas comme vous. Hein, ils veulent faire les feneux. Moi, je suis pas un renard comme vous. Et je regarde pas. Moi, j'aime pas. C'est nul. Tout le monde aime ça. Moi, je dis c'est nul. Ils veulent juste faire les mecs différents pour juste attirer un peu de lumière sur eux. Vas-y, c'est bon, mon frère. Le Yaiba, Casse tout le pas monde les sait couilles. comparer à des One Piece, Bleach, DBZ, mais c'est pas le combat de Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, c'est un nouveau-né, c'est une nouvelle génération, et pour un manga de nouvelle génération, je le trouve vraiment bien écrit et vraiment bien. Mais quel discours de président, t'avais tout préparé en Oui, fait! exactement, c'est ça, j'ai fait ça souvent devant le miroir là. J'attendais ce moment! En vrai, elle a tout dit, Avec en vrai, elle a Odie tout dit. Ace, Odie Ace, le dans tous rappeur. les cinémas, Digimon, Kimetsu. C'est le scénario, c'est le destin. C'est le destin. Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Ouais. Oh, Ouais. non! Pas toi! Pas toi! Pas après tout ce que tu as fait! En plus, il fait du rap manga, lui! Il met en avant les mangas pour venir dire des bêtises aussi sur le côté, pas toi! Tu étais censé être l'élu! Parce que je sais pas, il y a une hype autour du manga comme si c'était genre Naruto, One Piece ou je sais pas quoi, alors que non, le manga il est hyper lourd. Non, mais en fait, la hype, c'est pas par rapport à la qualité du truc. La hype, c'est pas parce que c'est. La hype n'est pas justifiée parce que c'est mieux que One Piece ou mieux que Naruto ou mieux que DBZ, mieux que SNK, tu veux ce que tu veux. Mais c'est pas ça la hype en fait. La hype, c'est juste ce que ça veut dire. La hype, ça veut juste dire le manga réunit les éléments nécessaires pour faire autant parler de lui, pour faire autant de ventes. Parce que je sais déjà, les gens vont dire les ventes. Je sais déjà, il y aura l'argument des ventes. Ouais, surcoté, parce que ça fait plus de ventes que One Piece. Ouais, ben. Alors, les ventes, c'est juste que t'as réussi. Les ventes, ça veut pas dire que c'est bien. Les ventes, ça peut pas être surcoté. Les ventes, c'est des chiffres. Les ventes, c'est justifié. C'est justifié pourquoi? Parce que le manga réunit les éléments nécessaires pour toucher autant de personnes. Et en plus, sur une durée, c'est même pas des gens, ils ont acheté juste un tome. Ils ont quand même acheté genre plusieurs tomes, tu vois. Donc, c'est le manga réunit les éléments nécessaires pour toucher autant de gens. Et en plus, quand même, sur une durée, sur une certaine durée, sur une certaine période, sur une certaine longueur, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de tomes. Et quand je parle des éléments, je parle pas juste de ceux qu'il y a à l'intérieur de l'œuvre, mais je parle aussi de tout ce qui est marketing, tout ce qu'il y a autour. Hein, l'équipe Kimetsu, ils ont bien taffé ça. Après, c'est pas de sa faute.
Après, l'équipe de... Après, Kevin Too, c'est pas de sa faute. Si vos mangas, ils font pas une bonne pub comme ça. C'est pas de sa faute. Si vos mangas, ils se mettent pas aussi bien en avant, c'est pas de sa faute. Hein, t'as vu? Et c'est justifié, justement. Ils ont travaillé, ils ont fourni le travail nécessaire pour toucher autant de personnes. Ouais, c'est pas de sa faute si les autres, ils ont pas eu les éléments. C'est pas de sa faute si les autres n'ont pas trouvé la recette pour faire autant de ventes. C'est pas de sa faute. Tu vois, tranquille. Les La ventes, c'est critique est justifié. hyper lourde, mais ça vaut pas l'engouement que les gens lui donnent, tu vois, Est-ce je que tu trouve. n'es pas un peu trop Non, conservateur un peu l'engouement, plus c'est un peu trop justifié. Non, parce qu'il y a des Tu peux mangas pas qui dire sont c'est vraiment surcompté par très rapport à très l'engouement. lourds, tu vois. Donc, par exemple, Jujutsu Kaisen, ouais. tu vois, c'est sorti tout récemment et je kiffe, etc. Je suis pas. On m'a dit que le film là, que je viens de voir, ça a été le film le plus vu de tous les temps ouais, au Japon. Ouais, c'est le numéro 1 au box-office de tous les temps, ouais. Devant les Avengers, devant les. Ouais. Miyazaki, il a battu Miyazaki. Voilà, donc au bout d'un. Après, c'est au Japon, c'est qu'au Japon. Mais même juste au Japon, j'avoue, c'est fort. Oh, c'est très fort. Et Kimetsu, et l'équipe qui se charge de Kimetsu, ils sont très forts. Ils sont très forts, ces bâtards. Le film le plus vu de tous les temps au Japon, quand même. Ouf. Je sais que c'est un gros succès, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Moi, je trouve que c'est pas justifié, tu vois, le film était bien, mais de là à être Non, le non, film non, le plus non, vu. non, non. Les ventes, c'est justifié. Les ventes, c'est justifié. Les ventes, c'est toujours justifié. Les ventes, c'est... Tu veux pas surestimer, tu veux pas surévaluer des ventes. Les ventes, c'est des faits. Ils ont travaillé, ils ont eu les chiffres. Téléthon, c'est un peu abusé, tu vois. Mademoiselle C'est Soso. pas de sa faute si Avengers n'a pas eu les éléments nécessaires, ils n'ont pas fourni le travail nécessaire pour toucher autant de gens. Voilà. Quel drip! Quel drip! Toujours, toujours, toujours. Bon alors, Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Non! Et pourquoi? Mais arrêtez, il n'y a pas de manga surcoté, ça suffit. S'il y a de la hype, c'est qu'elle est méritée en fait. Voilà, Et ils vont la pas hype c'est faire si toujours c'est mérité. nul. Et encore moins La sur hype c'est Disney, toujours les démons, les mérité. gars. Et Les je pense ventes que c'est toujours les mérité. haters, ils vont retourner leur veste. Ils sont. Les haters, ils Quand sont. tu dis surcoté, tu peux dire c'est surestimé par rapport, par exemple, à quelqu'un qui va te dire Kimetsu, meilleur manga de tous les temps! Kimetsu, meilleur animé de tous les temps! Là, tu peux dire, ouais, tu le surestimes parce que là, c'est quelque chose qu'on estime. La qualité intrinsèque, c'est quelque chose qu'on estime. Des ventes, on les estime pas. Enfin, si, les ventes, tu les estimes, mais avant qu'elles sortent. Hein, avant de réaliser les ventes, tu les estimes. Mais quand c'est réalisé, tu ne veux pas estimer, tu ne veux pas surcoter. La qualité intrinsèque, oui, tu peux surcoter parce que là, c'est subjectif. Là, c'est subjectif, la qualité. Mais les ventes, c'est pas subjectif. Les ventes, c'est objectivement. Ça fait tant de ventes, voilà. Là, ils sont dans la file. Des haters, ça a peur. Il n'y a pas d'argument. Voilà. Non, c'est pas surcoté pour moi. Est-ce que vous trouvez Kimetsu no Yaiba surcoté, oui ou non? Ouais. Au début, c'était lourd, mais après, ouais. D'accord, t'as fini le manga? Ouais. Et toi? Pareil, ouais. Donc les fans en font trop pour ce que c'est, en gros. Mais après, c'est parce que moi, j'aime pas plus que ça, quoi. Ouais, C'est c'est tout. ça, pareil. Ouais. Là, c'est surcoté. Voilà, là, c'est surcoté. Les fans qui en font trop, pour ceux que c'est vraiment, quand ils te disent meilleur anime de tous les temps. Ouais, bon, fausse. Dose. Calme-toi. Calme-toi. En fait, quand quelqu'un te dit meilleur anime de tous les temps, il faut dire quel est ton palmarès? Qu'est-ce que tu as vu comme animé? Est-ce que tu as regardé deux animes et puis tu dis meilleur anime de tous les temps? Petit, t'es encore un padawan. Va t'entraîner. Sinon, D'accord. T'as Après, encore rien vu. ça se voit, c'est cool, tu vois, mais sans plus, sinon. Moi, je comprends qu'il, enfin, que ça soit en mode super. Enfin, que tout le monde vienne voir le film, etc. Parce que bah, ça fait partie du moment excellent du manga, tu vois. Du ouais, c'est coup. ça. Surtout l'arc du train, elle est incroyable. Bon, je suis avec un groupe là qui ont vu tous le film. Déjà, toi en premier. Est-ce que tu trouves Kimetsu Yaiba surcoté, oui ou non? Pas surcoté, c'est pas surcoté du tout. Eh, hey, regarde, c'est le meilleur film de manga animé de tous les temps. Ah ouais, quand même! Oh. Oui, c'est l'exemple que je disais, c'est l'exemple que je citais. Quand tu dis meilleur film de tous les temps, là tu le surcrotes. Déjà, faut savoir qu'est-ce que t'as vu comme film. Quel est ton palmarès? Parce que si t'as vu trois films et puis tu dis c'est lui le meilleur, je dirais passe ton chemin. Je t'écoute même pas. Large, large, y a pas Donc débat. il mérite son succès là au premier. Déjà, quand tu dis meilleur machin de tous les temps, en général, dans des trucs cinématographiques, dans l'art, meilleur truc de tous les temps, il y a forcément un débat. Il y a forcément un débat parce que il y a toujours une grande part de subjectivité. Il y a forcément débat. Que ce soit un meilleur film de tous les temps, meilleur album rap ou meilleur album de musique de tous les temps, meilleur animé de tous les temps, meilleur BD, meilleur comics de tous les temps. Je sais pas si tu veux tout ce que tu veux dans l'art où il y a une grande part de subjectivité quand même. Il y a toujours débat pour dire quel est le meilleur. Il n'y a pas un meilleur objectif. Les trucs meilleurs objectifs pour dire ça, c'est par exemple si tu fais un classement des nombres de ventes, là c'est objectif.
Mais dans l'art, tu peux pas dire meilleur, il n'y a pas débat. Il y a toujours débat. Toujours. Les box-office de tous les temps. De fou. Ok. Et les autres? C'est du jamais vu. Mais bien sûr que ça mérite. Ok. Après, faudrait savoir ses arguments. C'est un classique, c'est tout. Tout ce qu'ils disent surcoté, je sais pas quoi, moi je suis pas d'accord. Mais... Pourquoi tu dis c'est le meilleur de tous les temps? Faut nous expliquer. Pas surcoté du tout, ça mérite son buzz. Hein. Ils ont fait fort. Est-ce que tu trouves Cookiezan dans la maison fluide comme de l'eau? Fluide comme de l'eau, et c'est fluide comme de l'eau. Bon, la question, est-ce que tu as validé le film, oui ou non déjà? Fort. Est-ce que tu trouves que la hype qui est autour du film numéro 1 box-office de tous les temps au Japon, c'est mérité, oui ou non? Fort. Ah ouais, quand même. Ouais, bah forcément, ouais, franchement, mais okay. J'ai kiffé, j'ai eu un frisson, le film était bon, l'anime... En fait, j'ai rien à dire sur le film, tu vois, j'ai rien à dire, j'ai kiffé du début à la fin. Après, je sais pas si je suis objectif parce que je suis un gros fan de tout ce qu'il y a dans Demon Slayer, les personnages... L'animation, l'histoire. Et du coup, Kimetsu Eba sur côté ou pas, oui ou non? Non. Je peux t'en dire d'autres sous-côté. Ouais, je vais pas redire. Je vais pas encore redire les mêmes arguments parce que voilà, je les ai déjà dit, mais tes chiffres, tu les mérites. Allez, Snitch, je peux allumer. Black Clover. Oh. Ah, Jujutsu. Attendez, est-ce qu'il allume Black Clover et Jujutsu Kaisen? En vrai, je vois pas en quoi c'est surcoté. Hein. Quand je dis surcoté, c'est toujours des trucs. Sur côté, c'est quoi tu dis? C'est toujours par rapport à la qualité intrinsèque, pas par rapport aux chiffres. Après il faut nous donner les arguments pourquoi tu trouves que c'est surcoté. C'est les arguments qui m'intéressent. Jujutsu Kaisen surcoté fort. Bon, on vous sortait de Kimetsu Yaiba le film. Vous avez validé, oui ou non? Absolument pas. Non, si, c'était vachement bien. On va dire que t'aimes pas, hein? Non, j'ai adoré, c'était trop bien, j'ai chialé. Enfin, c'était exceptionnel. Et est-ce que vous trouvez que toute la hype qui est autour du film, vous savez, il est numéro 1 au Japon, etc., de tous les temps, c'est justifié ou pas? Bah ouais. Ouais, oui, c'est vraiment bien, l'animation, elle est fluide, elle est belle. Toujours. Enfin, toujours. L'histoire, elle est bien. Bien sûr, ouais, non, c'est trop cool. Et toi? Oui, bah écoute, nous, je pense qu'il y a eu beaucoup de hype parce qu'il a pris du retard aussi, tu vois, donc forcément, et les gens attendaient que ça. Mais ouais, enfin, moi, je suis fan, donc je te dirais oui, mais après, je peux comprendre qu'on aime pas, tu vois. Mais les gens, ils aiment trop dire que tout est surcoté dès qu'on aime un truc. Non, c'est juste trop bien. Voilà. Surcoté, c'est ceux qui veulent faire soit les différents, soit les puristes. Vont dire, ouais, mais non, mais Naruto, il mérite pas de dépasser One Piece. One Piece, c'est mieux. Il mérite pas, One Piece c'est mieux. Non, c'est pas surcoté. Que je pensais surcoté, je pensais que c'était Jojo, puis après Non, c'est bon. Et j'allais m'énerver parce que j'aime trop Jojo. Jojo, là tu touches à mon Kokoro. Tu touches à ma sensibilité. Elle a dit non. C'est bon. En fait, j'ai kiffé, tu vois. C'est bon. Donc, au final, voilà les gens. Voilà, du coup, donc conclusion de la vidéo, regardez Jojo. Les gens qui disent Jojo c'est gay, ils ont même pas regardé. Allez, regardez. Et même si c'est gay, où est le problème? Est-ce que gay ça veut dire c'est nul? C'est homophobe ça. Non, en vrai, c'est lourd, Jojo. Ouais, Berserk aussi. Berserk, je suis qu'au début là, mais le début il est lourd déjà. Hey, you're Johnny.